Shalom, shalom, soyez bénis, chers amis internautes, amis du Facebook, que le Seigneur vous bénisse, recevez toute la grâce du Seigneur, soyez puissamment bénis, recevez toute la grâce de Dieu, recevez là la grâce du Seigneur et soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Voilà, recevez toute la grâce de Dieu et soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à cette date, aujourd'hui, du mercredi 16 août 2017, que la grâce de Dieu demeure sur vous. C'est vrai que hier, nous avons eu un direct, un enseignement sur comment annuler toute malédiction héréditaire. Voilà, maintenant ce matin, je vais vous parler de Baruch Communication. Voilà, je suis en direct pour vous parler en tant que PDG, président directeur général de Baruch Communication. Baruch Communication a été mis sur place une inspiration de Dieu pour répondre aux besoins, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire et de toute la diaspora. Voilà, Baruch Communication s'occupe, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, la production audiovisuelle, la production des artistes, la promotion des artistes, parce que dans ce milieu du showbiz chrétien, tout est maintenant plat, et nous avons décidé, sous l'inspiration de Dieu, de mettre une structure en place afin de pouvoir promouvoir, n'est-ce pas, des grands talents chrétiens, des grands chants chrétiens, dont Baruch Production s'en charge désormais de produire, n'est-ce pas, et de faire la promotion des artistes chrétiens. Et à côté de ça, nous avons aussi, en même temps que nous prenons en compte, n'est-ce pas, la production d'un album, nous avons aussi, prenons aussi en compte, n'est-ce pas, les clips vidéo et le tournage des films. Donc, Baruch Communication, comme vous pouvez le constater. Ici, Baruch Communication. Voilà, donc c'est l'ouverture officielle sera pour le 2 septembre. Voilà, donc voici un peu Baruch Communication. Voilà, Baruch Communication. Ici, c'est le studio d'enregistrement. C'est le studio d'enregistrement. Voilà. Nous allons enregistrer ici tous les chants chrétiens et tout ça. Voilà. Voilà, donc Baruch Communication. Non seulement ça, prend en compte, n'est-ce pas, la production d'un album, en même temps que les vidéos est chargée, n'est-ce pas, de la promotion de la musique chrétienne. Et à côté de ça, il y a aussi l'événementiel. Baruch Communication s'occupe aussi d'événementiel, s'empare d'événementiel, n'est-ce pas, les mariages. Nous prenons en compte le mariage. C'est-à-dire, quand vous voulez vous marier, depuis, n'est-ce pas, les vêtements des mariés jusqu'à la chambre d'hôtel. Nous prenons tout en compte avec Baruch Communication. Et il y a aussi des cérémonies, n'est-ce pas, de séminaires. Si vous voulez encore cette prestation, les séminaires, nous avons aussi des hôtesses, n'est-ce pas, et la décoration, n'est-ce pas, des salles. Voilà, donc Baruch Communication prend en compte tout ça. Et au niveau de Baruch Communication, s'ouvre aussi, n'est-ce pas, la location, la sonorisation. Baruch Communication sera prêt à vous servir en matière de location, n'est-ce pas, de matériel, de sonorisation. Voilà, et Baruch Communication aussi prend en compte, n'est-ce pas, les besoins de la diaspora. Ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, avoir un terrain pour construire ici en Côte d'Ivoire, que ce soit un Ivoirien ou pas, quelqu'un qui aimerait vraiment avoir un terrain, Baruch Communication sera chargé de vous faciliter la tâche afin de pouvoir vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir mettre en place, acheter votre terrain. Si vous avez, n'est-ce pas, envie, n'est-ce pas, d'acheter une maison, Baruch Communication sera chargé, n'est-ce pas, de pouvoir créer ce contact pour, n'est-ce pas, être en contact avec une agence, n'est-ce pas, immobilière, afin de pouvoir vous faciliter l'achat, afin de pouvoir avoir une maison. Voilà. Si vous voulez aussi des conseils en communication, parce qu'en fait, nous faisons aussi du coaching en communication. Voilà. Si vous voulez aussi des conseils en matière de mariage, de tout. Nous pouvons n'est-ce pas, prêter nos services. Donc, Baruch Communication de tout ça. Il y a aussi le côté, n'est-ce pas, location de voitures. Baruch Communication s'occupe aussi de la location de voitures. Si vous venez éventuellement en Côte d'Ivoire, que vous voulez avoir une voiture en location, mais voilà, vous appelez directement Baruch Communication. Baruch Communication sera chargé de vous trouver la voiture que vous voulez, voiture de luxe, afin de pouvoir vous aider à vous déplacer ici à Abidjan. Et puis en Côte d'Ivoire, partout dans la Côte d'Ivoire. Si vous voulez aussi acheter aussi la charte des voitures, oui, importer, vous rentrez en contact avec Baruch Communication
et Barreau Communication sera chargé de vous trouver, de vous vendre cette voiture. Vous pouvez vous dire, c'est important d'entreprendre cette entreprise Barreau Communication, dont je suis le PDG, le président directeur général de Barreau Communication, répond aux besoins, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont au chômage, qui ont une licence, n'est-ce pas, en communication audiovisuelle, qui ont une licence en BTS de communication, d'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes, qui chôment. Voilà, donc, cette inspiration est venue de là. Et il faut entreprendre. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de créer cette entreprise afin de pouvoir aider nos bien-aimés qui sont au chômage. Voilà, donc c'est votre maison à vous, c'est votre maison à vous, Barreau Communication est votre maison. Nous avons des hôtesses, Barreau Communication. Nous pouvons aussi, n'est-ce pas, vous aider, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, organiser vos mariages. Ici, c'est un studio d'enregistrement, comme je disais. Voilà, c'est un studio numérique, un studio d'enregistrement. Si vous avez besoin de réaliser un projet d'album, il n'y a pas de souci. Barreau Communication sera chargé de prendre tout en compte et aussi la promotion de l'album. Et à réaliser aussi les clips vidéo. Voilà, à aussi réaliser les clips vidéo. Voilà, donc désormais, le souci, si vous avez un souci, vous rentrez en contact avec Barreau Communication. Voilà, donc il faut entreprendre. Dieu nous appelle en entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment très important. Dieu nous appelle en entrepreneuriat. Chacun d'entre vous a quelque chose en lui. Voilà, et Dieu, c'est un homme d'affaires. Il nous appelle à l'entrepreneuriat. Donc, je vous encourage, en tant que bien-aimé, en tant qu'homme de Dieu, je vous encourage à pouvoir réaliser vos projets. Oui, la réception des mariages, moi je suis... Ouais, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler Barreau Communication, on peut vous déjà organiser tout ça. Organiser. D'abord, vous rentrez en contact avec Barreau Communication. Barouk veut dire élévation, Barouk veut dire bénédiction. Barouk même en hébreu, il y a le H à la fin. Nous avons mis le K pour un design, c'est tout. Nous avons mis le K. Sinon, Barouk, B. Voilà, Barouk veut dire... bénédiction. Voilà. Barouk, B-A-R-U-C-H. Ça, c'est en hébreu. Mais nous avons mis le K pour un design. Voilà. Donc, pour dire, désormais, si vous avez un souci, vous voulez avoir une voiture de location, vous pouvez appeler Barouk Communication. Si vous voulez, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, acheter même une maison, vous appelez Barreau Communication pour qu'on puisse vous faciliter, vous aider avec les agences immobilières ici en Côte d'Ivoire pour l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain. Si vous voulez avoir une voiture location pour, n'est-ce pas, parcourir toute la Côte d'Ivoire, vous rentrez en contact avec Barreau Communication pour vous aider dans ce domaine-là. Si vous voulez la production d'un album, n'est-ce pas, Barreau Communication sera chargé de vous produire, jusqu'à la promotion de l'album. Même la vente des CD, Barreau Communication s'occupe de tout ça. Voilà, donc d'ici quelques jours, et l'ouverture officielle, c'est à partir du 2 septembre, nous allons ouvrir cette boîte pour pouvoir aider les talents. Il y a beaucoup de bien-aimés chrétiens, chantent chrétiens, et le domaine chrétien, le showbiz chrétien est pratiquement mort. Et Dieu m'a donné cette inspiration afin de pouvoir révéler au grand jour ces grands talents cachés. Voilà, donc c'est ça. Dieu, ce n'est pas forcément chasser seulement les démons. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Parce qu'après avoir chassé les démons, il faut permettre à certaines personnes de vivre de leur art. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut permettre à d'autres personnes de pouvoir nourrir leur famille. Alors, c'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur, de créer, n'est-ce pas, cette entreprise. Voilà, donc désormais, vous avez désormais Barouk Production ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de soucis. Voilà, il n'y a plus de soucis. Vous pouvez appeler... vous appelez à Barreau Communication. Pour l'heure, on vous donnera pas peut-être des contacts, mais très bientôt, dans quelques jours, vous aurez toutes les informations. Nous sommes en train de finir avec notre site internet parce que nous aurons aussi une TV en ligne ici, dans Barreau Communication. Voilà, donc voici un peu les informations que je voulais passer ce matin et je vous encourage à l'entrepreneuriat. Parce que Dieu nous demande de posséder le monde. Nous sommes des élus de Dieu et c'est nous qui devons posséder le monde. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Dans un moment, vous avez une boîte de communication pour s'occuper de la promotion de vos articles, pour même les coachings. Si vous voulez démarrer une entreprise, que vous voulez, n'est-ce pas, des conseils en communication, vous rentrez en contact avec Barreau Communication, comment vendre votre image, tout ça, on aura l'occasion de faire la promotion, de vous aider en vous coachant par rapport à l'entreprise.
Et au niveau de notre site, le site Barreau Communication sera disponible à partir du 15 septembre. Vous aurez tout sur Barreau Communication. Et comme ça pourra, n'est-ce pas, vous aider. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Juste un clin d'œil à Barreau Communication. Ça, c'est le studio d'enregistrement. Voilà. Le studio d'enregistrement. Voilà. Et nous avons aussi une salle de répétition. Voilà, d'autres me posaient la question, c'est où Barreau Communication? Barreau Communication est justement... Barreau Communication est juste à Cocody Rivera. Mais durement, les gens disent engrais derrière la Sainte Pièce. Engrais derrière la Sainte Pièce. Engrais derrière la Sainte Pièce. Ça, c'est juste la salle de répétition. Voilà, nous sommes en train d'aménager. Ça, c'est la salle de répétition. D'ici une semaine, tout sera au complet. L'orchestre, pour ceux qui veulent répéter, qui auront un concert en vue ici à Abidjan, vous pouvez contacter Barreau Communication pour vos répétitions, afin de pouvoir bien... Et puis, Barreau Communication sera chargé d'organiser des grands spectacles gospel chaque fin d'année. Des grands spectacles gospel chaque fin d'année. Donc, il y a une grande surprise cette année, ici même au Palais de la Culture, une grande surprise pour le domaine, pour le milieu des showbiz chrétiens. Voilà, donc voilà un peu, voilà un coup d'œil à Barreau Communication. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Barreau Communication veut dire bénédiction, élévation, gloire. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à posséder le monde. Nous sommes les enfants de gloire, nous sommes les enfants bénis de Dieu. Je t'encourage à entreprendre afin de pouvoir créer l'emploi aux nécessiteux. Nos bien-aimés ont besoin du travail. Il faut donner de l'emploi aux gens. Il faut donner des emplois aux gens. Les gens ont des diplômes, ils ont des diplômes chauds sur vos carreaux. Et voilà, donc Dieu m'a mis à cœur de réaliser, n'est-ce pas, ce grand projet. Voilà, ce grand projet. Vous aurez l'occasion de voir un peu cette réalisation, voilà, qui s'est faite pendant des années, parce qu'on a réfléchi, on a mis en boîte, et ça va permettre, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, à la sous-région et au monde entier de pouvoir s'en sortir. Ceux qui voudraient quand même entrer en contact, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, des attaches en Côte d'Ivoire, voilà, la Barreau Communication sera chargée de vous aider dans les conseils et tout ça, de vous prêter son service. Voilà, donc nous sommes à Barreau Communication. Je suis à la salle de répétition. D'ici la semaine prochaine, vous aurez tous les instruments de musique. Voilà, donc pour vos clips vidéo, ne manquez pas de nous appeler. Nous allons réaliser des grands films vidéo, parce qu'ici, on fait aussi la production audiovisuelle. Voilà, voilà. Donc, et aussi, un album, celui qui aimerait vraiment être produit, il n'y a pas de problème, nous avons une salle d'écoute, on prend le temps de vous écouter, on prend le temps de vous amener à faire le live, nous avons des grands musiciens et tout ça. Et puis après ça, par la grâce de Dieu, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de vous produire. Voilà, donc voici un peu Barreau Communication. Nous sommes en train de faire des dernières retouches, et c'est pour les deux. Devant, nous allons faire une grande conférence de presse devant les journalistes people et tout ça. Voilà, il faut créer l'emploi, il faut aider les gens, il faut aider. La Bible dit, vous serez une source de bénédiction. Vous serez une source de bénédiction. Ce n'est pas forcément chasser les démons. Nous chassons les démons, nous détruisons la sorcellerie de la vie des gens, mais, bien aimé, il faut créer, il faut être une source de bénédiction. Il faut permettre aux gens de jouir, il faut permettre aux gens d'être à l'aise quand ils sont autour de toi. Il faut permettre aux gens d'avoir de l'emploi parce que les gens ont faim, les gens sont dans les difficultés. Ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes, il n'a pas de boulot. Voilà, l'État ne peut pas tout faire. Vous comprenez? Et l'État nous donne cette possibilité aujourd'hui de créer l'emploi. Voilà, donc, créer des emplois autour de vous, permettez aux gens de pouvoir vraiment avoir un emploi et pouvoir nourrir leur famille. Voilà, donc, Barreau Communication, c'est pour très bientôt. Et merci surtout pour vos prières. Merci surtout pour vos prières. C'est grâce à vos prières et grâce à la grâce de Dieu qu'on a pu réaliser ce projet. À très bientôt. Pour d'autres informations. Soyez bénis. Shalom à vous et bonne journée.